Ok, donc là on est avec le groupe qui vient de descendre. C'est un groupe qui a déchiré le festival. J'espère que vous allez aimer la documentation qu'on va faire avec ce groupe-là. Donc on est avec monsieur, je vous laisse présenter monsieur. C'est comment vous... Ben, le groupe c'est Koutakoli, moi qui représente ce groupe, je me nomme Blaise Labamba. Voilà. Donc quel est le nom de ce groupe? Ben, on s'en va la sixième année parce que le projet a été créé en 2018, septembre, août-septembre 2018. Donc on s'en va la sixième année. Okay. Donc c'est un bébé qui marche déjà. Okay. Qui peut... Pour ceux qui ne parlent pas votre langue, qu'est-ce que ça signifie le nom? Ben, c'est un village Koutakoli, c'est un village. Et naturellement qui a fait des guerriers, des grands guerriers, des combattants. Et après, bon, le régime passé là de Mobutu, il avait fait une base militaire à Koutakoli, fait que ça sortait des militaires vraiment assez... C'est à Brazzaville? Non, Congo Kinshasa. Alors, ce qui est arrivé, c'est que moi, quand je suis arrivé avec le froid du Canada, je me disais que ça serait impossible d'appliquer ce que j'aime faire, la musique. Donc toi, tu t'es basé ici? Oh ouais, je suis là, je suis de Montréal, ouais, ça fait 25 ans. Le groupe est ici. Le groupe est ici. Voilà. Que je me disais qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je ferai la musique pareil, c'est pas le temps qui va m'arrêter. Fait que c'est comme un état d'esprit contemporain, il y a un état militaire. Et vous continuez à sillonner le monde ou vous basez uniquement? Si, si, je viens fraîchement de Kinshasa, on a joué dimanche passé d'ailleurs, à 1, 2, 3, c'est un bar où jouait Luambo Makiadi. Un grand de la rumba, fait qui ce bar existe encore et on se produit dimanche passé. Combien d'albums vous avez sur le marché? Sur le marché, on n'a pas d'albums, on a des singles, comme on dit, une chanson, deux, trois. On en a trois déjà sur le marché de YouTube. Mais quand ça va être prêt, on va prendre les 12 chansons pour en faire un album. Super, ça c'est une bonne nouvelle pour les fans qui aiment ce groupe et qui continuent de suivre le groupe. Suivez le groupe Koutakoli, c'est un groupe superment talentueux. Donc Koutakoli, on est très content pour cette interview. Mais dites-moi, qu'en pensez-vous du festival Les Nuits d'Afrique? Ça, c'est, quelles sont vos impressions? Ben, c'est un tremplin, c'est l'Afrique en Amérique, quoi, je veux dire. Parce que sans aller en Afrique, nous retrouvons l'Afrique. La chaleur, la nourriture, l'hospitalité, tout ce qui en découle. Donc je veux dire, c'est l'ambassade de l'Afrique. Il y a 38 ans d'existence, cela veut dire qu'on ne veut pas que ça arrête. Quoi. Parce que c'est une référence. Et vous avez envie de tourner en Afrique, bien sûr. On vient justement du Congo. Ouais, Kinshasa. Du Congo, Kinshasa. Ouais, super. Voilà. Mais pour moi qui viens du Sénégal, ouais, je magnifie, je préfère y aller. Ouais. Parce que le Sénégal aime la musique Lumba. C'est ça. Il y a beaucoup de stars congolais qui sont passés par là-bas. Ouais. Et je vous souhaite de passer là-bas. Donc je vous souhaite vraiment d'y aller, ouais. D'aller au Sénégal, d'aller faire un concert là-bas. Invitez-nous au Sénégal. Je suis prêt et je vais vous inviter au Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a un site internet, une façon, ou Instagram qu'on peut rejoindre Instagram, le groupe? Instagram, Barthez. Donnez vos coordonnées directement. Oui, on a Instagram, c'est Koutakoli. Sur Facebook, c'est Koutakoli deux fois, donc Koutakoli, Koutakoli. Okay. Et sinon, après, bon, il y a un numéro de téléphone. Comment on l'écrit? Koutakoli, c'est K-O-T-A-K-O-L-I. Koutakoli. Retenez ce nom, Koutakoli. C'est un groupe magnifique, extraordinaire, talentueux. Et je le souhaite. Je sais qu'ils vont faire une très belle carrière. Merci beaucoup. Merci.